lendemain matin, à peine réveillé, je me demandais si je dormais pas encore. Un vrai miracle. Pendant la nuit, le génie avait jeté un pont par-dessus le Danube. Et sur ce pont, qui je vois ? Marguerite ! Oh ! Chère Marguerite. Marguerite, mon coupe-fil. Mon laissez-passer. Marguerite, mon passe-partout. À la vache, 10 coups, à moi. Marguerite ! Marguerite ! Marguerite. Oui, 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 tu es une brave bête, oui. Et on va reprendre la vie commune. Ah. Allez, viens. Marguerite. Marguerite, recule! Il y a du monde qui arrive. Le soleil rigole pas. Hein. Allez, 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 Marguerite! Frau Marianne, was ist das für ein Hornochse da mit seiner Kuh? Leute, sehen Sie zu, dass die beiden sofort verschwinden, ja? Feuer rein! Feuerlein! Sorgen Sie dafür, dass der Kerl von der Brücke kommt! Hallo! Mitkommen! Aber schnell! Oui, c'est bien, oui. Écoutez-moi, monsieur. Ah, französischer Kriegsgefangener. Si, Gefangener. Mais je vais vous expliquer. Nichts expliquer! Foutre le camp, verstehen? Foutre le camp! Mais moi, j'ai bien compris, foutre le camp. Mais comment voulez-vous une bête qui ne veut pas reculer? Vous comprenez? Elle est têtue, elle. Tenez, essayez vous-même. Là, à essayer. Ce que je vous avais dit, hein? Marguerite. Oh, ça, c'est pas la peine. Beilein, comme c'est truc. Bouge-toi! Imbécile! Comme vache française. Ah, pardon, moi je suis français, mais la vache, elle, est allemande. Deutsche vache! Marguerite, allez, écoute-moi.